Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Vous entendez ma petite Oli qui vous a dit bonjour juste derrière moi. Il y a Léo qui lui est en train de jouer dans sa chambre. Oh ça y est, il pleut. Oh non. Oh, c'était le point météo du vlog. À peine la vidéo ouverte et me voilà déjà en train de parler du temps. Mais je suis dégoûtée, il y avait des éclaircies jusque là et puis là ça y est, il pleut. Bah, il y a du soleil, mais de l'autre côté, c'est tout noir. Et j'avais vu les nuages noirs arriver. Bon, là, là vous ne voyez pas parce que le volet est fermé. Je n'ai pas encore ouvert celui là-bas. Oh, ça me gonfle. Bon, de toute façon, ça va pas nous changer grand-chose au programme de ce matin, puisque ce matin, on va aller chez Le Roi Merlin. Et oui, le nouveau magasin favori de la famille Double Lu, puisque bah, travaux obligent, nous passons notre vie chez Le Roi Merlin. On va aller chez Le Roi, et j'ai mis, regardez, une petite chemise de bricoleur. Je sais pas du tout pourquoi je dis ça, bref, peu importe. On va aller chez Le Roi Merlin pour regarder les tasseaux pour ma fameuse cage d'escalier, là, pour le haut de ma cage d'escalier, le garde-corps. Donc, on va juste, en fait, pour voir des tasseaux, des poules de bois. Je vais regarder des de bois chez Le Roi. Il est 11h d'ici quelques minutes, donc on va décoller. Je vais juste mettre à décongeler un petit truc pour ce midi, parce que j'ai aucune idée de ce que l'on va manger. Je vous prends là, j'ai l'air tout sourire, mais la journée a commencé. Vous savez, les journées où rien ne va. Je n'avais pas réussi jusque-là. Moi, ça y est, là, il est parti, mais depuis ce matin, je n'avais pas réussi à faire partir mon poil. J'ai eu la très bonne surprise de voir tout mon travail d'hier soir, c'est-à-dire que j'ai fait du montage pendant 3h30. Et ce matin, au réveil, je me suis rendu compte que ma vidéo avait été supprimée par Final Cut. Voilà, j'ai pas compris. Un gros bug et franchement j'ai les boules parce que bah, tout va falloir que je refasse. Et en plus de ça, vous devez l'entendre, ma petite Oli est très chafouin. Elle a eu elle a été un petit peu barbouillée au niveau digestion, si je puis dire. Donc c'est une journée un peu comme ça qui commence. Je sens que je vais devoir me remonter les manches et souffler un bon coup pour assumer la journée qui se présente. Voilà, on va mettre les chaussures et puis on va aller chez Le Roi Merlin. Bon, devinez quoi, on est chez Le Roi Merlin, perdu au milieu des tasseaux. Il y en a partout, alors du sapin, du chêne, avec des nœuds carrés, avec des nœuds rectangles. Franchement, je suis complètement paumée. Léo, il vient de voir un copain de classe, donc il est trop content. Et moi, je suis complètement perdue dans mon histoire. Je pense que je vais demander de l'aide à quelqu'un parce que je sais pas trop quoi choisir. Bon, dans l'idée, voilà. L'espacement que je souhaite. Je pense que là on est pas trop mal, il y a à peu près 10 cm d'écart et là ce sont des tasseaux en chêne. Donc je me dis que c'est pas trop mal ça. Je sais pas, je garde ça comme idée, on verra bien. Bon, je viens de demander conseil à un vendeur qui m'a été d'une très grande aide, qui a été adorable, hyper gentil, qui m'a très très bien conseillé. Où je pars là-dessus, donc des tasseaux en chêne, ou bien je pars sur des tasseaux en sapin. Mais là, en fait, ceux-là sont en sapin aussi. C'est que des tasseaux en sapin. Je pensais avoir pris du chêne, mais même pas. Donc ça, c'est du sapin, mais avec... Et ils sont rabotés, en fait, donc un peu plus arrondis. Et les autres ne sont pas en fait lissés. Donc je sais pas, faut que je réfléchisse. Il n'y a pas énormément d'écart de prix. Donc on verra. Bon, je file parce qu'il y en a deux qui... Enfin, il y en a un qui bricole. Et il y en a une qu'on a marre. Les amis, il est 15h15. Et quand je vous dis qu'il y a des jours où rien ne fonctionne. Franchement, je vous jure, les jours comme ça, je les accumule. Bon, il y a quand même un point positif. J'ai fini de remonter toute ma vidéo. J'ai été à une vitesse... J'essaie de tout faire au plus vite. Bon, le montage n'est pas aussi cool que celui que j'avais fait, mais j'ai quand même réussi à le refaire. Et puis, j'avais lancé donc l'exportation de mon vlog. Pendant ce temps-là, je me suis dit, bon, je vais rentabiliser le temps. Je vais aller filmer une preview que je n'ai pas pu filmer la fois dernière. Enfin bref, tout un truc. Et pendant que j'étais en train de filmer, bah, mon ordi n'avait plus de batterie. Donc la vidéo n'a pas pu être exportée puisque mon ordi s'est éteint. Voilà, voilà, je les enchaîne. Ce n'est pas possible. Franchement, j'en ai marre. Donc là, je viens de rebrancher mon ordinateur. Ma preview est filmée, mais je voulais enchaîner la montée le temps que les enfants terminent leur sieste. Bah, je ne peux pas parce que mon ordi s'est éteint. Donc je le laisse rallumer et puis ensuite va falloir que je relance l'exportation. Enfin bref, tout un truc, j'en ai marre. Je ne vous ai pas repris depuis Le Roi Merlin puisque on est rentré, les enfants ont mangé, moi aussi d'ailleurs, j'avais une petite poêlée de chez Picard. Ensuite ils sont partis à la sieste et j'ai enchaîné direct avec le montage, hein. Clairement je voulais pas perdre de temps, je voulais vraiment finir de monter ma vidéo, enfin la remonter entièrement, voilà voilà, parce que j'aimerais le poster ma vidéo, poster mon vlog ce soir. Et bref, et pour l'instant je peux même pas l'uploader sur YouTube puisqu'il n'est même pas exporté de Final Cut. Vous vous en foutez? Vous avez bien raison parce que franchement ça c'est nul, je m'énerve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir si mon ordi s'est rallumé et puis relancer l'exportation et essayer d'enchaîner avec le montage de ma preview.
Pas sûr que j'y arrive là. Vraiment pas sûr. Les amis, on est parti en balade en forêt. Et alors, étonnamment, je ne sais pas comment j'ai fait. Ça doit bouger parce que je suis en train de marcher en même temps. Mais j'ai réussi à tout faire. Voilà. Franchement, je suis pas peu fière parce que il y avait pas mal de choses à faire, de montage à refaire. Donc voilà, là les minis sont réveillés et on va se promener en forêt tranquillou, histoire de prendre l'air. Et voilà, donc petite balade improvisée au bout de la maison et c'est cool. Amis, on est rentrés et vous savez quoi, on est sortis entre deux averses. Franchement, on a passé un super moment, on est parti se balader dans la forêt à côté de chez nous. On n'a pas vu de chevaux, souvent là-bas il y a un petit pré où il y a des chevaux et là ils étaient pas là pour le coup. Donc voilà, mais en tout cas on a passé un bon moment, on s'est bien baladé. On a quand même un peu pressé le pas pour rentrer parce qu'on voyait des gros nuages noirs arriver. Et au final, c'est même pas tombé, mais en tout cas on était rentrés. Ensuite, on a joué tous les trois dans le salon et puis là les enfants sortent du bain. Je vais m'atteler à faire à manger. Mais comme d'hab, je ne sais jamais quoi faire. J'ai Oli qui est avec moi. Léo, il est en train de jouer dans sa chambre. Je ne sais jamais quoi faire. Ça me gonfle de cuisiner. Je n'ai jamais d'inspi. Je sais pas. Autant j'adore manger, autant faire la cuisine et tout. En fait, j'aime bien de temps en temps. Mais comme la plupart du temps je rate, ça me saoule de faire à manger. Je sais pas trop ce qu'on va faire. J'avoue que je dis, rassurez-moi, dites-moi que vous êtes comme moi un peu en manque d'inspiration des fois. J'ai essayé hein, les menus de la semaine, les meal prep, les machins, les tout ça. C'est pas fait pour moi. En tout cas, je crois pas. Mais je sais pas. Je sais pas quoi faire à manger. Help! Après manger, au programme, je crois qu'il y a un match que David va regarder. Et avec Léo, c'est soirée, j'appelle ça popcorn et Koh-Lanta, parce que Nounou a le droit de regarder quand c'est Koh-Lanta, un petit peu Koh-Lanta avec moi, jusqu'à la première pub en fait. Et après, il va au dodo, donc ce soir, il va faire ça, il est trop content. Ce qui l'intéresse, c'est de les voir construire une cabane, faire des épreuves, tout ça. Même si maintenant, Koh-Lanta, c'est beaucoup plus de la stratégie que de la survie en soi. Donc voilà, mais ce soir, c'est popcorn et Koh-Lanta. Mais avant ça, il faut manger. Il faut manger quoi? Je ne sais pas. Mais quelle transition de qualité! Vous êtes donc dans mon frigo. Oui, j'ai allumé ma caméra, j'ai fermé la porte de mon frigo et j'ai réouvert pour vous faire une transition de malade! Non, en toute honnêteté, je suis surtout en désespoir face à mon frigo qui me propose à moi plein de choses que j'aime, hein, vraiment de la salade, voilà, de la mozzarella, des olives, du chèvre, tout ça. Donc moi, il y a de quoi faire un repas largement. Mais pour les minis, je suis pas sûre que ça fasse jackpot. Donc ce que je vais leur faire pour ce soir, parce que je sais pas à quelle heure rentre David. Donc je vais les faire manger déjà. Je vais leur faire des. J'avais acheté des œufs bio là chez Lidl. Je vais leur faire des œufs au plat. Avec qu'est-ce qu'on a comme petits légumes? J'ai du concombre, mais ça, Oli n'aime pas. Léo adore, pas Oli. Là-dedans, non, c'est des tomates. Là, j'ai des carottes, le temps que ça ça cuise, laisse tomber. Il me semble que j'ai des petits pois, donc ça peut être pas mal. Je pense que je vais faire des œufs au plat avec des petits pois. Grande gastronomie ce soir, attention, hein. Bon, allez, je vais fermer mon frigo, donc je vous reprends, parce que bon, les transitions comme ça, on adore. Bon, les amis, j'ai un problème. Hormis cet énorme bouton qui a poussé dans la nuit, là, et qui me fait extrêmement mal, je pense que vous pouvez deviner la bossitude. Regardez ça. Et en parlant de boss, non, je ne parlais pas de mon nez. Mon problème, c'est le suivant, c'est que je n'ai pas d'idée de cadeau pour l'anniversaire du père d'Adou. Son anniversaire, c'est très bientôt. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas du tout prévu. En fait, ça m'arrive jamais, ce genre de choses. Je prévois toujours très très à l'avance. Je commande les cadeaux en amont, etc. etc. Et là, je n'ai pas d'idée et je n'ai pas pris le temps de m'y pencher, c'est vrai. Avec tout ce qui s'est passé ces deux derniers mois. Et je suis complètement, mais alors complètement à la ramasse. Donc, le programme qui va suivre pour l'anniversaire de Dadou, que je prendrai ma caméra, je pense, pas dans ce vlog-là, mais dans le suivant, très certainement, eh bien, ça sera de lui trouver un cadeau. Et avec les minis, ça sera de lui fabriquer un petit cadeau, un truc, voilà, on va voir. Je sèche pour l'instant, j'avoue, je sèche, je n'ai pas d'idée. Je suis en galère, parce que je me vois pas ne pas lui faire de cadeau. Il s'achète tout, donc c'est chiant, et il a besoin de rien, et... J'ai pas d'idée. Vous vous en foutez? Mais franchement, je vous jure que si vous pouviez m'aider à l'instant T, ça, justement, ça m'aiderait beaucoup. Bon, je vous retrouve, il est tard. Il est 23h46 exactement. Je viens de finir d'étendre une lessive. Le linge est plié, la lessive est étendue. Une bonne chose de faite.
Et juste avant, donc j'ai regardé Koh-Lanta avec mon nounou, enfin lui la première partie, moi le reste. Et devant la télé, j'étais en train de flâner sur le net pour chercher des idées de déco pour la chambre de Léo. Sachant que pour Oli, eh bien, on a acheté le papier peint il y a déjà un moment, qui est un papier peint blanc beige, blanc cassé, avec de jolies fleurs montantes et tout. Enfin bref, je pense que ça va être très beau. Et nounou, je lui ai demandé s'il y avait un thème qu'il aimait pour sa chambre. Un thème qu'il aimerait avoir, et devinez quoi, il m'a sorti, je crois, le thème le plus improbable qui existe. Ce monsieur m'a simplement dit que pour sa chambre, il aimerait avoir un thème sur les arcs-en-ciel et les tractopelles. Bon, alors comment te dire, mon fils, que les arcs-en-ciel et les tractopelles, ça ne fait pas forcément bon ménage. Enfin, en tout cas, on les associe difficilement ensemble. J'ai fouiné, j'ai cherché, je n'ai pas arrêté de vraiment fouiller le net. Et j'ai fini par trouver des petits trucs pas mal, qui vraiment, pour le coup, collent au thème. Je crois que depuis tout à l'heure, je filmais que je suis floue. Bon, vous me direz, vous n'avez rien loupé. Je vous montre ça rapido, mais je vous en reparlerai. J'ai trouvé ce genre de choses. Regardez, tadam. Est-ce que ça matche pas trop bien? Je sais pas si vous arriverez à voir avec depuis mon téléphone. Et également ce sticker, ce sont des stickers. Hein. Voilà, donc je me dis why not? Bref, c'est une idée à approfondir tout ça. Je vous en reparlerai. Pour l'heure, moi je vous laisse ici. Je suis rincée, je suis cassée, je suis cuite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas pris beaucoup, mais j'ai quand même vlogué. Voilà, je vous laisse ici. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Bye bye!